À 9 jours du démarrage du championnat d'Afrique des Nations de handball en Tunisie, les Panthères du Gabon affûtent leurs dernières armes au Palais des Sports de Libreville. Nous avons commencé le travail depuis le 15 décembre. Malgré les conditions dans lesquelles nous travaillons, en fait, ils sont enthousiastes, il y a un moral. En fait, ils sont réceptifs à tout ce que nous faisons comme travail. Avec des joueurs tels que Yannick Obiang Milama, le capitaine, le Gabon aura certainement son mot à dire dans cette compétition. Nous allons sur un autre contexte, une autre compétition. Bien entendu, ça fait que nous y allons avec un autre, pas des appréhensions, mais avec des idées bien précises. Parce que aller prendre une place pour un championnat du monde, il faut aussi savoir oser. Ça ne sert à rien de rester assis chez soi et prétendre aller croiser les meilleurs. Logés dans le groupe B avec l'Angola, la Libye et le Nigeria, les Panthères du Gabon Handball auront fort à faire face à ces trois grosses équipes du continent africain. C'est parce qu'ils sont conscients que devant, ça ne va pas être facile. Les matchs, on ne va pas les prendre tous dans la même dimension. Nous allons jouer au jour le jour, adversaire par adversaire, pour pouvoir grappiller des points afin que nous puissions faire mieux que l'année 2018. Jouer les quarts de finale et espérer trouver une place pour que le Gabon inscrive son nom quelque part aussi. Après une 5e place lors de la 23e édition de la compétition à Libreville, les Gabonais veulent une place plus honorable pour cette 24e édition qui sera également qualificative pour les Jeux Olympiques 2020 à Tokyo et pour le Mondial 2021 en Égypte.